pas libéré. Oui, Seigneur. Je déclare la paix de Christ dans votre vie. Amen. Vous serez la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que l'ennemi s'agenouillera devant vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci Jésus. Tu vois toutes tes promesses. Je les scelle avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Oh, merci Seigneur d'avoir écouté nos prières. Seigneur. Au nom du puissant du Christ, nous avons prié. Amen. Applaudissons tous ensemble pour le Seigneur. Toutes mes choses vont bien, elles vont vraiment très bien. Toutes mes choses vont bien, toutes mes choses vont bien. Parce que Christ est assis de toi, toutes mes choses vont bien, toutes mes choses vont bien, elles vont vraiment très bien. Toutes mes choses vont bien. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Oui. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans cette église. Alléluia. Et je le remercie pour toutes les vies qu'il a délivrées entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Mm-hmm. Maintenant, c'est le temps de témoignage. La Bible dit: lorsque nous témoignons de la bonté de Dieu, il se manifeste encore pour nous. Chante Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Alléluia. J'ai dit qu'aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Alléluia. Amen. C'est un jour que notre Seigneur a rendu spécial et a particulièrement béni. C'est vrai. C'est le moment des témoignages. Tant de bénédictions. J'ai dit que c'est le moment des témoignages. Tant de bénédictions. Je vais maintenant inviter Madame Philomène Okenwa de passer devant et de donner son témoignage pour tout ce que notre Seigneur a fait pour elle. Et pendant qu'elle avance, donnons des acclamations dignes de ce nom à notre Seigneur. La recherche du feu des entrailles t'a fait parcourir plusieurs endroits. Mais aujourd'hui, votre problème est résolu. Est-ce que faire un sacrifice de votre paradis pour avoir aucun, homme sage, aucun. Femme, y a-t-il un prix que tu ne peux pas payer pour le fruit de tes entrailles? Non, je ferai tout ce qui est possible pour avoir un enfant. Je suis motivé de vivre sans enfant.
Arrête ça, femme, arrête. J'ai l'âme de l'embras de l'enfant. Mais les yeux plutôt. Calme-toi, ça va aller, c'est bon, c'est bon. Tiens ça. Pose ça sur ta poitrine et crache dessus trois fois. Merci. Ça, c'est le nœud. Le sceau de la sémence. Monseigneur. Apprête-toi pour un voyage dans le monde des vivants et des morts. Allez-y, vous n'avez plus de problème. Allez-y. Sois le bienvenu. C'est quoi toute cette joie? Je pense que c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je suis enceinte. Chérie, les tests que j'ai faits, les résultats sont déjà à ma possession. Si tu doutes de moi, ou bien que j'aille te montrer. Viens. Viens que je te montre. Voilà. Et voici. Alors c'est vrai. Oui. Tu vas voir mon bébé. Oui. Tu vas voir mon bébé. Oui. Je sais que ce sera un garçon. Mm-hmm. Alors je vais avoir un fils. Oui. Je vais avoir un fils. Oui. Chérie, il est temps pour toi de manger. Attends que j'apporte ton repas. Regarde, j'ai pas faim. Après qu'on vient d'aller au village demain. J'aimerais aller lui dire, de dire à ma mère que l'homme avec qui je vivais durant toutes ces années, en fait, est une femme. Oh, chérie. Je vais pas mettre long. D'accord. Okay. Ce serait pas long. D'accord. Ma chérie, laisse-moi voir au cocalia, je mangerai quand je rentrerai. C'est d'accord. Thank you.
bye bye. Je t'ai déjà dit de ne plus faire les travaux difficiles. Hein? Tu dois te reposer, je te l'ai dit, n'est-ce pas? Donne-moi ça. Ok, allons-y. Viens, va. On va. Regarde, tu dois trouver le moyen de te reposer autant que possible. Désolé, j'ai dû amener le docteur. T'apprends les symptômes. C'est juste des signes précoces. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est normal. Merci, docteur. Je commençais à avoir peur. Je vais retourner à la clinique. Ok. S'il y a une quelconque évolution, faites-moi savoir. Merci beaucoup, docteur. J'allais chercher le docteur, tu sais. Je ne faisais que vomir, tu ne mangeais plus. Ça me faisait vraiment peur. Chérie, je suis rentré. Oh, tu es rentré, chérie. Oui. Allez. Comment va mon bébé? Oh, il va très bien. Ok, viens, viens. Mary. Monsieur. Voici Mary. Mary est une de mes connaissances. Je l'ai amenée pour qu'elle t'assiste. Oh. Mary. Monsieur. Voilà ta madame. Bon après-midi, madame. Ma femme. Chérie, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part. Merci. Tu sais quoi? Maman m'a donné beaucoup de choses pour toi. Vraiment? Viens. Bonne nuit. Ça... Viens. Viens. Wow! Tout ça pour moi? Oui. Et comment elle va? Elle va très bien. Chacun d'entre eux t'a salué. Ils sont très impatients de voir le bébé. Je sais. Tu as porté quelques-uns? Oui. Bien, on va devoir le porter ensemble. Bien. Mais reviens.
Docteur, quel est le problème? Est-ce qu'il va bien? Il est là. Il est dans la voiture? Oui, il est là. Est-il encore en vie? Il est encore en vie. Mais c'est très difficile de diagnostiquer ce dont il souffre. Hey, madame, je vous suggère d'essayer une autre médecine. Le consulter. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Au revoir. Alors, où est-il? Il est à l'intérieur. Je suis désolé, nos ancêtres et le tout-puissant de notre royaume. Je suis désolé de gérer une telle situation sans suivre vos procédures. Il y a une alliance qui doit être brisée. Une alliance? La semence de la semence pourrait être perdue. Cherche dans ta conscience.
La solution à ce problème réside dans vous. Tous les deux. Je prie pour que le prochain guérisseur le trouve encore en vie. Seul lui pourra le briser. J'allais me bénir ainsi. Regardez-moi, monsieur. Appelle-moi ta madame. D'accord, monsieur. Tu m'as appelé? Oui. Et tu m'es non prêt à confesser? Assieds-toi. Assieds-toi. Mary. Monsieur. Vas-y. Ok. La nuit dernière, j'ai vu Arconogle dans un rêve. Il m'a donné une pierre. Il a dit que c'est un lien. Mais je pense que c'est juste qu'une réflexion qui arrive lorsque la mort est proche. Oui. Il nous avait montré un petit caillou. Je pense qu'on doit aller voir Kalaba très vite. Ça peut être lié à ce qu'Achala a dit. D'accord. Ena. Oui. Tiens. Je suis désolé de t'avoir appelé sorcière. Je suis désolé. Chérie, je suis aussi désolée. S'il te plaît, oublions le passé. Désolée. Tu iras mieux. Désolée. Comme la main qui apporte de la nourriture à la bouche. Va et reviens avec de bonnes nouvelles. Merci, Naï. Naï, nous sommes venus te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous.
S'il te plaît, accepte ce petit présent. Merci. Un garçon, une fille. Bébé fille, Naï. Naï, nous sommes venus te voir avec un problème sérieux. Mon mari est très malade, ça fait un bon bout de temps. Je vois. La maladie de ton mari n'est pas exempte. Si tu avais écouté ce que j'ai... J'ai demandé à cette jeune fille de se mettre à l'écart. Certains mots sont très lourds pour les oreilles des jeunes. C'est d'accord, Naï. Marie, va nous attendre dans la voiture. Donne-moi le bébé. Ok. Je t'avais demandé si tu étais prête à faire n'importe quel sacrifice pour cet enfant et tu m'avais dit oui. Maintenant, la vie de ton mari a été utilisée comme sacrifice pour que tu puisses avoir le bébé. Et dès que ton mari mourra, tu le suivras. Vous voulez dire qu'il va mourir et moi ensuite? Il est supposé mourir demain. Oui. Et tu vas le suivre 4 jours de marché plus tard. Oh mon Dieu. S'il te plaît, Naï. Tu es le sage parmi nous et tu es déjà allé au séjour de mort. S'il te plaît, fais quelque chose, s'il te plaît. Tu ne nous avais pas dit que nos vies étaient hypothéquées. Tu ne nous l'avais pas dit, hein? Oh mon Dieu! Laisse-le! Ça, c'est que je veux dire. Oh mon Dieu! Il n'y a qu'une seule alternative, celle de sacrifier votre bébé. C'est une décision très difficile à prendre pour nous. Mais s'il y a quelque chose d'autre que nous puissions, alors non. Nous allons... Non! Ne touchez pas mon bébé. Qu'est-ce que cet enfant innocent fait? Qu'est-ce qu'elle connaît? Non, mon enfant ne va pas mourir. Non. L'autre unique alternative... c'est de me trouver un garçon ou une fille vierge pour le sacrifice. Mais cela ne tiendra que pour 5 ans. Après cela, un autre sacrifice sera fait. Sinon, vous mourrez à la 5e année. Et ce sacrifice doit se faire aujourd'hui. Demain pourrait être trop tard. Naï, sacrifions la domestique. Elle est vierge, et je le sais. Je prends la leçon de mes mains pour que je m'occupe d'elle. Je ne peux pas la sacrifier. Naï, si tu veux mourir à sa place, allons à la maison et attendons la mort. Après tout, tu vas mourir le premier, avant que je ne te suive. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Alors, qu'elle l'utilise comme... sacrifice. Naï, prenez-la pour sacrifice. Cela vous coûtera 30 000 naira. La moitié maintenant, et le reste après que le sacrifice ait été bien fait. Prenez l'argent, Naï. Maintenant, je veux ce sacrifice. Je dois commencer le travail maintenant. Le voyage est encore... Marie! Ma. Marie, viens ici! Ma. Marie! Tiens-toi!
Tu dois passer la nuit ici avec Naï aujourd'hui. Je vais revenir demain pour te prendre. Obéis à tout ce qu'il te dira de faire. D'accord, maman. Est-ce que papa va vivre? Oui. Si tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Je jure. S'il vous plaît, que papa vive. C'est un homme gentil. Maman, je ne sais pas. Je sens qu'il va aller avec lui. S'il te plaît, maman, prends soin de papa. S'il te plaît, achète-moi quelque chose quand il viendra demain. C'est d'accord. Ah, je pleurais, maman. Papa ira bien. Maman, papa, tu n'as pas l'air content, toi aussi. Papa, ça va aller. Tu iras bien. Les dieux vont nous aider. Maman, arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller. Bye bye. Oh, bye bye. Papa, prends soin de toi. Maman, bye bye. Maintenant, viens-nous devant travailler. Je veux que papa soit en santé. Tu parles trop. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Tu peux bien le voir. Je suis tout en forme. J'ai jamais su que ça pouvait marcher comme ça. Réveillé? Oui. Quel est le problème? Chérie, le prochain sacrifice est dans un mois. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore décidé entre Nketi et Emeka. Ça me dérange. Chérie, relax. Nous allons faire le choix. Je sais, mais le temps est en train de passer. Hein? De tous les précédents sacrifices, on s'est toujours arrangé à ce que les sacrifices soient présents avant le temps. Mais celui-ci devient vraiment difficile. Et ça me dérange tellement. Sois courageux comme un homme. Retournons nous coucher. Allons nous coucher. Ok. Oui, entrez. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Madame, nous sommes là pour la bonne nouvelle. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis occupée? On ne veut pas vous perdre du temps. S'il vous plaît, madame, pouvons-nous nous asseoir? Si vous voulez perdre votre temps, asseyez-vous. Après tout, je suis une chrétienne. Ceci n'est pas un message pour quelqu'un de particulier.
ou pour un groupe de personnes, mais c'est un message pour tout le monde. Avant de commencer, prions. Seigneur, nous te remercions de nous donner l'opportunité de partager ta parole aujourd'hui. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'âme d'une personne ne peut pas se sauver elle-même. La Bible dit qu'elle est captive du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Jésus est venu pour rendre les captifs libres. Il est venu pour te délivrer de ton péché. Te délivrer de l'esclavage. Je n'ai jamais été captive et je ne suis pas une esclave. La Bible dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous les faux dieux. Au nom de Jésus. Les vampires, les fornicateurs et les incrédules finiront tous dans les temps de feu. Ces deux anciens ne partent avec le diable. Ils sont devenus secteurs ou sorciers. Ils ont sacrifié les gens sur l'autel satanique. De telles personnes ne doivent pas s'échapper. Oh Dieu, Seigneur, veut que nous nous repentions et que nous retournons à lui. Et si tu acceptes de le recevoir aujourd'hui, il te donnera le pouvoir de devenir son enfant. À tous ceux qui croiront en son nom. Fais tes péchés à Dieu et tu seras sauvé. Oh Jésus. Merci mon Dieu. Madame, croyez-vous au Seigneur Jésus? J'ai toujours cru en lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Amen. Merci. Bonsoir, monsieur. Merci. Qu'êtes-vous en train de faire ici? Sortez de chez moi avant que je ne commette un meurtre. Maintenant. Monsieur, nous sommes les chrétiens de l'Assemblée radicale du Christ. Et nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous. Je vois. Vous voulez me tenter, n'est-ce pas? Ok, attendez-moi. J'allais voir maintenant. Ah, Seigneur, pardon. Pardonne-lui. Seigneur, ténèbres, pas pour. Je cherche à faire quelque chose du ciel et vous êtes là, vous tournez en rond pour accoter les petits. Prochainement, vous allez me demander de venir dans votre église. Une fois de plus, s'il vous plaît, sortez de chez moi. Monsieur, la Bible dit ceci. Je vous demande de sortir, vous êtes un peu là. Sortez de moi. Cours, ma soeur. Les petits, au lieu d'aller chercher quelque chose de lucratif à faire, me tenez partout pour raconter les bêtises. La prochaine fois, vous allez me demander de venir dans votre église. Que je vous voie encore ici. Écoute-moi. Tu sais très bien que le sacrifice est seulement dans 2 semaines. Au lieu de réfléchir de comment rendre les choses simples pour sacrifier un Ketchi et Omeka, tu as du temps à écouter tous ces idiots. Laisse-moi t'avertir. Le jour où je vais te trouver dans une quelconque de ces églises, je ne vais pas seulement utiliser ceci sur toi, mais tu vas regretter le jour où tu es né. Alors, ça va? Oh, oui, je vais bien. Bien. Et j'ai bien réfléchi. J'ai décidé d'utiliser un Ketty. Mais nous avons déjà eu à sacrifier l'un des enfants de Tata Chidima Marie. Est-ce que nous devons encore sacrifier un autre? Tu préfères alors que d'utiliser Emeka? Non. Non. Emeka est l'unique enfant de ses parents. Nous ne pouvons pas leur faire ça. Regarde, chérie, c'est une question de vie ou de mort. C'est soit on utilise l'un d'entre eux, ou alors nous en meurt. J'ai fini de planifier. Je te ferai savoir quand je reviendrai.
bienvenue en enfer, le royaume des esprits démoniaques. Tu me racontes des conneries. Tu es en train de perdre la tête. Écoute-moi, si tu es prête à mourir, moi je ne le suis pas. Pour combien de temps allons-nous continuer comme ça? Nous devons mettre un terme à tout ça. Comment nous pouvons continuer à sacrifier les êtres humains? Chérie, as-tu oublié que nous avons déjà sacrifié 4 personnes depuis la naissance de Doris? Pense aux conséquences que ça aurait sur nos âmes. Conséquences, mon cul? Écoute, je vais prendre Emeka. Je vais l'envoyer dans ce ruelle et je vais envoyer des gens le kidnapper. Et on le sacrifiera. Est-ce que tu n'as pas une conscience? Bien sûr que j'ai une conscience. C'est pour cela que je ne veux pas mourir. Écoute, et je sais aussi que tu ne veux pas mourir. Alors tais-toi. Ne sois pas stupide. Chérie. Oui. Je pense que j'ai la solution. Quelle est cette solution? Assieds-toi. Oui, quelle est la solution? Je crois que Dieu peut nous délivrer de cette malédiction si nous nous abandonnons à lui totalement. S'il te plaît, ne continuons plus à tuer les gens. Même si on devrait mourir. Après tout, nous sommes appelés à mourir un jour. Ok. Qu'on ne tue non plus quelqu'un d'autre. Oui. Mais en premier, sacrifions d'abord la personne qui est la racine de tous nos problèmes. Qui est cette personne? Doris. Doris? Oui. Notre unique enfant? Mon honneur d'être une femme. Impossible. Écoute, que tu nous plaises. Il y a quelque chose d'anormal avec cette fille. Depuis qu'elle est née, on ne fait que quitter d'un problème à un autre problème. Sacrifions-la. Ainsi, nous pourrons mettre une fin à tous nos problèmes une bonne fois pour toutes. Ainsi, on n'aura plus besoin de tuer d'autres personnes. Ne vois-tu pas? Jésus-Christ. D'accord. Jésus-Christ, je ne veux pas mourir. Je sais quoi faire pour demeurer en vie. Si tu veux mourir, meurs. Tu peux mourir, ça m'importe peu. Foutaise. Oh, oh Dieu. Je veux pas mourir. Je veux pas aller en enfer. Je veux pas aller en enfer. Je veux pas mourir. Oh, ma chère. C'est juste que j'ai un peu mal au ventre. Pardon. Ça ne marchera pas. Tous ceux qui sont originaires de cet attachement doivent donner un accord unanime avant que ça ne marche. Mais je ne peux pas mourir. Ah non, tu ne peux pas me laisser mourir. Il doit y avoir un moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Hein? On en est. Va essayer de convaincre ta femme. Connaît-il si Doris était soudainement trouvé mort? Dans ce cas-là, le cas du récipient d'eau qui se casse. Une fois que le pot est cassé, le cas est terminé. Honorine, souviens-toi que tu as moins d'une semaine. Moins d'une semaine.
Je t'ai entendu, Agar. Je t'ai entendu. Je suis à la partie. Emeka, j'en vais. Oh Dieu, pardonne mes péchés et toutes ces années que j'ai marché dans les ténèbres. Tu as dit que tu ne chasseras personne qui vient à toi. S'il te plaît Dieu, pardonne-moi et donne-moi la force de vivre selon ta parole. Touche le cœur de mon mari et change-nous complètement au nom de Jésus. Amen. Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, ne nous abandonne pas, ne m'abandonne pas, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Bébé, je m'en vais au marché. Quand ton père reviendra, donne-lui son repas à manger. Oui, maman. Bye bye. Bye. Papa, bienvenue. Ah ah. Doris, ma chérie, comment ça va? Je suis ta fille. Prends-moi quelque chose à manger. Oui. Tu penses que ta fille et toi pouvez faire de moi une chèvre en fuite parce que vous êtes devenues des sorcières? Alors laisse-moi te dire, tu fais une très grosse erreur. Et je t'ai demandé de nous laisser accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne veux pas. Écoute, si je t'entends encore mentionner ce nom dans cette maison, je te tuerai. Maman chérie... Ne me touche pas. Ne me touche pas. Telle mère, telle fille, des sorcières. Est-ce que Jésus a mangé ton macabo ou ton igname? Est-ce qu'il a mal fait en mourant pour ce monde? Je sais que toutes les deux voulaient que je meure, mais je vais vous dire, je vais toutes les deux vous décevoir. Vous n'allez pas réussir.
Maman, mais pourquoi papa se comporte de façon étrange? Ne t'inquiète pas, ma fille, il ira mieux. Nous avons juste besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ totalement. Maintenant, rentre dans ta chambre. Tu es beaucoup chanceux. Si elle ne t'aimait pas, elle t'aurait tué il y a cela très longtemps. Je dis très longtemps. Il n'y a aucune médecine pouvant tuer cette fille. Elle est une enfant spéciale. Elle a pris du poison. Et elle est en train de lécher ses lèvres comme si elle était en train de boire de la grenadine. Ça ne sert à rien de vouloir la tuer. Ton cas n'est pas sans espoir. Ça ne coûte que de l'argent. Aucun montant d'argent ne peut être comparé à ma vie. Je paierai n'importe quelle somme. N'importe quelle somme. À part les 50 000 naira, tu dois apporter un taureau, un bouc, un cobra en vie, hein? 20 veaux et l'œuf d'un vautour. Maintenant, répète après moi. Je suis comme le vent. Je suis comme le vent. Je ne peux stopper. Je ne peux être stoppé. Toute arme. Toute arme. Dressé contre moi sera nul et sans effet. Dressé contre moi sera nul et sans effet. Relève-toi. Tiens. Et libère-le. Maintenant, tu es indestructible. Moi? Oui. Moi. Maintenant que tu as visité le royaume des morts, en tant que membre de la secte 6S6, tu es à présent indescriptible. Continue d'assister aux réunions et paye des offrandes régulièrement. Je te remercie beaucoup, empereur. Je me demande ce que je serais sans toi. Je te remercie, empereur. Oh Seigneur! Maintenant que j'ai décidé d'être ton enfant, donne-moi la grâce de mettre ta parole en pratique. Protège-moi contre les attaques du diable. Aide mon mari à croire aussi à toi, pour que nous soyons tous sauvés au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, très bienvenue. Sois la bienvenue. Oui, merci. J'espère que je ne suis pas en retard. Pas du tout. D'accord. Il y a ce rêve que j'ai eu la nuit dernière qui me met mal à l'aise. C'était quoi le rêve? J'ai vu un nœud être mis au niveau de mon cou. Ensuite, je me suis vu tout étalé. Et puis progressivement, je me sentais lourd. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste un reflet de ce qu'on a vu le jour qu'on est parti dans le royaume des morts. En plus,
C'est un signe de la vie et de l'arrivée des bonnes choses. Ah, on en parlera plus une fois qu'on sera à la réunion. D'accord, merci. Merci beaucoup, Ambereur. Alors, chérie, comme je suis en train de te dire, depuis un certain moment, je cherche du pouvoir afin de ne pas mourir. Et je suis content de te dire que je suis devenu indestructible. Tu le suis, tu vois. Depuis un certain moment maintenant, je ne fais qu'avoir ce rêve. Et je sens au fond de moi que ta vie est en danger. Chérie, c'est pour cette raison que je te supplie de donner ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas... Assez avec toutes ces bêtises. Écoute, je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes me prêcher. Non. Je t'ai appelé pour te dire ce que je suis en train de faire. Chérie, donne ta vie à Jésus-Christ et tout ira mieux avec toi. Qui t'a dit que ça n'allait pas bien chez moi? Hein? Qui t'a dit que ça n'allait pas bien chez moi? C'est toi qui as besoin qu'on examine ton cerveau. Écoute, chérie, on ne devrait pas être en train de se crier dessus. Hein? Rejoins-moi. Rejoins la cour des six œufs et tu seras libre. Jésus-Christ est la vraie liberté. Et si le Fils de l'homme te rend libre, tu seras libre pour l'éternité. Sors. Je dis sors d'ici. Que l'Éternel te pardonne. Sors. Doris, comment tu vas? Ça va. Donc, ton père n'a pas encore mangé son repas? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'aime pas cette nourriture? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu de mes yeux depuis le matin. Mais sa voiture est garée dehors. Si sa voiture est dehors, ça veut dire qu'il dort. En train de dormir? Quel est ce genre de sommeil? Laisse-moi d'abord aller vérifier. Tu ferais mieux de le faire. Oh. Parce que je n'ai pas envie qu'il recommence à crier ce matin. Chérie, quel est le problème? Chérie, quel est le problème? Chérie?
Dieu. Chérie. Chérie. Pourquoi à moi? Pourquoi à moi? Oh Dieu. Ma sœur, crois-tu que Jésus-Christ est mort pour toi? Oui, pasteur, je crois. Et l'as-tu déjà accepté dans ta vie comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Si tu l'as fait tel que tu l'as dit, tu es sauvé. Et rien ne pourrait t'arriver. Amen. Parce que lui, et lui seul, saura vraiment te protéger. Amen. Ma sœur, crois en Dieu. Rentre à la maison et prie-le. Et je prie également pour toi ici. D'accord, pasteur. Nous devons commencer des prières et un jeûne pour toi, de 3 jours, qui débute dès demain. Mais pour le moment, prions. Oh, merci. Merci, Éternel, mon Dieu, pour ta fille qui est ici. Seigneur, tu as dit quiconque cherche ton chemin sera sauvé. Servant est grand et est tout puissant. Amen. Quel témoignage touchant. Ceci pour vous dire que il est le même Dieu que celui d'hier. Il n'a jamais changé. Ses promesses, il les tient et les tient toujours. Madame Okengwa. Oui, pasteur. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Rapproche-toi du Seigneur et il ne t'abandonnera jamais. Merci, pasteur. J'ai décidé de suivre Jésus, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je dois rentrer maintenant pour m'apprêter pour la réunion de femmes. Bien sûr. Okay. Bye, pasteur. Bye. Doris, excuse-moi. J'ai remarqué que tu m'évites ces derniers temps. Je ne comprends pas, pasteur. J'étais invité plusieurs fois chez moi et tu n'es jamais venu. Non, pasteur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je refuse de venir. C'est juste que je suis très occupée. Bien, de toutes les façons, je remercie beaucoup le Seigneur de la façon qu'il t'utilise. Amen.
Adora, il y a quelque chose d'important sur laquelle j'aimerais qu'on discute. Qu'est-ce que c'est, pasteur? On en parlera quand tu viendras. Hein? Et tu penses que tu peux venir quand? Quand est-ce que vous voulez que je vienne? Peut-être demain soir, disons à 17h. D'accord. Je viendrai vous voir chez vous. Après, je vais aller à la chorale. D'accord. Ok, je dois aller rejoindre maman. D'accord, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Bye bye. Doris, c'est toi. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. S'il te plaît, entre. Assieds-toi. Merci, monsieur. Comment tu vas? Je suis sûre que tu veux quelque chose à boire. D'accord. Merci. Ton verre. Merci. Voilà. Doré, laisse-moi te demander quelque chose. As-tu déjà pensé au mariage? Je prie toujours que Dieu me donne un bon mari. Amen. Ça, c'est bien. Avais-tu déjà eu un petit ami avant que tu ne sois née de nouveau? Oui, j'avais. Je vois. Tu es tellement belle. Merci. Pasto. Je dois m'en aller maintenant. Je me sens faible. Je me sens très faible. J'ai envie de dormir. Laissez-moi rentrer et que j'aille me reposer avant d'aller à la porte. Non, Doris, tu dois. Pas besoin de rentrer. Si tu es assommé, tu peux aller te coucher dans ma chambre et je te réveillerai un peu plus tard. Non, pasteur. La Bible dit, nous ne devions pas faire cela. C'est mauvais. Et tu dois en train de dire que c'est mauvais de dormir dans ma chambre. Que Dieu te pardonne pour avoir raisonné ainsi. Amen. Laisse-moi t'apporter quelque chose. Hein. Patiente un peu. Hein. J'arrive. S'il vous plaît, faites vite. J'arrive. Faire l'amour. Je t'aime et je veux que tu sois ma femme. C'est ce que tu dis à propos de ça. Il est écrit dans la Bible que tu ne forniqueras point. C'est justement ça que tu viens de faire.
Oh mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Doris, non, Doris, s'il te plaît, ne rejette pas le tort sur moi. Tu es la tentation et je n'ai pas pu résister. Juste laisse-moi tranquille. Tu dois te repentir. Doris. Doris, quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu pleures? Mon Dieu, je le savais. J'ai vu les symptômes et tu as refusé. Maintenant, c'est confirmé. Doris, tu es enceinte de 3 mois. Maman, je ne l'ai pas fait. J'ai été violée. Mais tu t'en fous. J'ai été violée juste comme ça. Par qui? Où? Quand? On m'a droguée. Dis-moi juste la maison qui est responsable de cette grossesse et oublie les explications. Maman, c'est le pasteur Paul. Ferme ta bouche. Comment oses-tu appeler un moine de Dieu? Premièrement, tu as commis la fornication et tu es enceinte. Maintenant, tu montes contre le pasteur Paul, un nom de Dieu. Maman, crois-moi. Que Dieu te pardonne tes péchés. Maman, crois-moi, non. Il m'a... Tu as apporté la honte dans cette famille, hein? C'est ce que tu me fais. Lève-toi, va dans ta chambre, remballe tes choses et quitte cette maison. Maman, je suis innocente. Tu es une honte à la chrétienne. Oh, Doris, quelle bonne surprise. Tu voyages? Non. Je suis venue te dire que je suis enceinte. Oh, ça c'est intéressant. Viens. Assieds-toi. Cela veut dire que tu es prête à m'épouser. Tu vois, Doris, je t'ai toujours dit que je t'aime. Et je serai très fière de t'avoir pour épouse. À ce qui me concerne, ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Je ne peux pas t'épouser juste parce que je suis enceinte de toi. Mais attends une seconde. Essayes-tu de me dire que tu ne m'épouseras pas même comme tu portes mon bébé? Pasteur Paul, je ne peux pas. Peu importe, à ce qui concerne la volonté de Dieu dans ma vie, se manifestera. Je suis juste venue vous demander de me faire une place chez vous jusqu'à ce que les choses s'arrangent avec ma mère. Je suis désolé, je ne peux pas. Ma réputation sera en jeu. En fait, Doris, je pense que tu devrais partir. Alors, je n'ai pas une autre option que d'aller à l'église. Tu ne peux pas. Mais si tu insistes, n'ose jamais mentionner mon nom en ce qui concerne ta grossesse. Je ne vais pas blasphémer contre vous. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Mais je vais toujours prier pour que Dieu vous restaure. Tu t'imagines? Tu es enceinte et tu veux prier pour moi. Le chemin qui mène à Dieu est long et périlleux. Le Seigneur a décidé de mettre sa grâce disponible. Et il l'a vraiment fait. Peu importe à quel point, l'Éternel est patient. Doris, je te préviens de ne plus mettre pied dans cette cellule de prière. D'ailleurs, ne viens plus dans cette église. Je dirai à toute la congrégation ce que tu as fait. Tu vois, c'est très évident. Regarde-toi. Tu ne pourras pas le cacher pour longtemps. Je t'en prie pas immédiatement.
des bêtises. Tantine, bonjour. Sale hypocrite, qu'est-ce que tu me fais ici? Hein? Ce qui m'énerve avec toi, c'est que tu refuses le nom du responsable de ta grossesse. C'est un esprit? Je te pose la question, sainte vierge. C'est un fantôme? Tantine, s'il te plaît, laisse-moi rester chez toi pour un temps, s'il te plaît. Mets-toi dehors. C'est mon bébé. Où mon sac? Hey! Où mon sac? Où mon sac? Qui a pris 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 mon sac? Seigneur, qui a pris mon sac? Donnez-moi mon sac. Donnez-moi mon sac. Qui a pris mon sac? Mon Dieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Oui, monsieur. Mon bébé a faim. Je veux un peu d'argent pour lui acheter la nourriture. Mais il est où le père de cet enfant? Son père n'est pas là. A-t-il voyagé ou alors vous avez refusé de l'épouser? Oui, monsieur. J'ai refusé de l'épouser. Ça va aller. Je verrai ce que je pourrais faire. Hein? Venez avec moi. Il y a certainement un moyen de régler ça. C'est là que l'histoire de ma vie a commencé. Je suis un enfant qui a été conçu par la puissance mystique. Mes parents ne le savaient pas. Gars, ne t'inquiète même pas. La fille là, non, aujourd'hui non, elle va sentir le feu. Mais je te dis non, c'est moi qui te dis la chose. Tu me crois pas? Pas confirmé non, c'est moi qui te dis. Hey! C'est moi qui te dis, mon frère. Aujourd'hui là, c'est le feu. Psst, psst. Hey, toi là, tu pars où? Tu pars où? Tu pars où? Tu... Allez, 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 c'est pas toi, ça. Hey, oh, décide, décide. Hey, allez, toi là. Tu as couru, hein? Ok. Hey, man, on va se faire la belle, man. Je passe premier, hein. Tant d'abord. Ah, tonnerre! 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 S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me tue pas, s'il te plaît. Ne me tue pas, excuse-moi, s'il te plaît, ne me tue pas. Angie, chérie. Hey, comment tu vas? Je te fais confiance. J'aime ton habillement, elle te va vraiment bien. Merci. Comment la journée, non? Chérie, c'est doucement, doucement, non? S'il te plaît, coiffe-moi vite. Je vais aller au marché.
Je ne suis pas venue ici pour écouter vos causeries. Hein? Hein? Ça te concerne en quoi? Ne me parle pas de cette manière. Es-tu pour constater ma condition? Je suis une femme mariée respectable. Tu m'appelles une vagabonde. Toi, cette fantôme vivante. Pardon, ne bagarrez pas. Vous deux, vous êtes mes clients. Je vous en prie, ne bagarrez pas. Qui veut bagarrer avec elle? J'ai une meilleure façon de traiter avec les gens stupides comme elle. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien me faire. N'importe quoi. Toi. Toi là. Cette femme a eu un avortement mystique. Et son utérus a été complètement détruit. Et un vendredi, j'accompagnais ma mère au culte de la délivrance. Et à cet instant, le pasteur commençait la délivrance. Tout esprit qui n'est pas dans le Seigneur est contre la loi du Seigneur. Oui. Et si vous êtes ici, sur la contrainte de cet esprit, rassurez-vous, je ne veux pas seulement l'envoyer dans les airs. Je m'en fous. Vous serez délivré au nom de Jésus. Amen. Je brûle tout esprit démoniaque au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, délivre tout esprit qui habite ce corps. Je te chasse au nom de Jésus. Non, toi, esprit démoniaque. Au nom de Jésus. Je sors de ce corps au nom de Jésus. Je sors de Jésus. Amen. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Amen. Et t'aimes donc, je te commande de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Sors de ce corps tout de suite. Amen. Ce jour vraiment, j'ai accepté Jésus. Il est glorieux. Amen. Tous mes soi-disant pouvoirs ont disparu après cette délivrance. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à servir à l'église pour la gloire de Dieu. Ça, c'est très bien. Jusqu'à... L'un des pasteurs de cette église m'a invité dans sa maison. Et quelque chose s'est passé. Il m'a demandé de dormir avec lui. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai découvert que j'avais été utilisée. Oh, Seigneur. Ma mère m'a rejetée. L'église m'a chassée. Et j'ai commencé à prier en demandant la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste. Désolé, pasteur, je ne savais pas que tu étais avec quelqu'un. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Juste une minute. Pasteur, le Seigneur m'a demandé de te donner ce message. Une puissante femme de Dieu arrive ici aujourd'hui. Une fois arrivée, le Seigneur demande que tu lui dises qu'elle oublie tout ce qu'elle a vécu et qu'elle retourne à l'église là où elle a été mise à la porte. Un homme est mourant là-bas. À moins qu'elle ne prie pour lui, il ne guérira jamais. Je suis très content pour cela. La dame dont tu parles, elle est juste là, devant nous. Doris. Pasto. Je crois que tu as une grande destinée. Le Seigneur a encore besoin de toi. Tu dois retourner dans ton assemblée. Pourquoi? L'évangéliste Clifford a reçu une révélation de la part de Dieu. Et qui sommes-nous pour désapprouver ce que Dieu a dit? Maintenant, prions. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions également pour la révélation que tu as donnée à ton serviteur. Reçois maintenant toute la gloire. En réalité, j'ai une confession à faire.
Oh, Doris. J'espère que tu as vu où que tu sois. J'avais drogué sa boisson lorsqu'elle était venue me rendre visite. Et je lui avais fait l'amour. Elle tomba plus tard enceinte et revint vers moi. Je lui avais demandé de m'épouser. Mais elle m'a dit qu'elle voulait plutôt l'entendre venant de Dieu. Vous connaissez tous le reste de l'histoire. Oh Dieu! J'espère que tu me pardonneras. Pasto. Doris, c'est trop tard. Il est déjà parti. Laisse-moi prier pour lui. Je te pardonne. Je prie que le Seigneur Tout-Puissant te pardonne aussi. Papa, tu es le Dieu qui nous guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à la maladie de quitter ce corps au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et le pasteur Paul est guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. 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 Et par le nom de ce même Dieu, je consens à être ta femme. Mais tu resteras aveugle au jour où ton fils Tukudi t'appellera papa. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prophétisé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Pasteur John. Je suis là. Je suis là. Me voici. Je ne vois rien. Non. Ma fille. Maman. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Je suis désolée parce que je n'ai pas cru en toi. Tu es un enfant envoyé de Dieu. Et que Dieu continue à t'utiliser puissamment. Amen. Que le Seigneur te pardonne aussi, maman. Je le sais. Et comment va mon petit-fils? Le voici avec moi. Oh, s'il te plaît, donne-le-moi. Oui, maman. Oh, bébé. Mon bébé, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Amen. S'il te plaît, ma fille, prie pour moi. Maman, arrête de pleurer. D'accord. Au nom du Père, le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vous présente Pasteur et Madame Paul. De ce que l'Éternel l'a réuni, que personne ne le sépare. Frère en Christ, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce.
un jour, d'ici quelque temps, tu m'appelleras papa. Et la volonté de Dieu, en ce qui concerne ma vie, sera accomplie. Présentement, je remercie le Seigneur pour ce précieux bébé et pour cette puissante femme de Dieu qui est mon épouse. Au nom de Jésus. Amen. Doris, Pasteur Jean. Oh, Pasteur Paul. Je peux voir. Elle voit. Je peux voir. Alléluia. Alléluia. Jésus, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon Dieu. Maman, Doris. Maman, mon Dieu, maman. Maman. Que l'Éternel soit loué. Merci, Seigneur. Maman. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a encore montré sa grandeur aujourd'hui. Amen. Ce qui a été scellé et enterré. Aujourd'hui, l'Éternel a rompu cette alliance. Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Jesus.